Clubs I've been to, but I think it's not about that at all. I think it's more like surrounds the songs, because it has surrounded my life last 5-6 years. But I don't think the heart of the songs are, I wouldn't call them dance music at all. That what U2 is trying to do is develop a new vocabulary of pop music, and your album seems to be trying to do the same kind of thing. It's breaking down what traditional pop is and doing Bjork pop. Yeah, but it's a private thing. It's not like I'm thinking, oh, I wonder how I can sort of take all this sort of language of the world music business and distort it and change it. What I'm just trying to sort of entertain myself and do the things that turn me on privately. That's my approach, because I think at the end of the day, that's kind of what has hurt me most, artists, when they kind of like get completely selfish and kind of like go for it in their own bedroom kind of life, you know? I like that. My generation, I mean, when I was 12 and 13, when I got to know Eno music, the ambient music, and obviously I was completely mad about Kraftwerk and Tangerine Dream and Deutsche Amerikanische Frauenkraft, I hope I pronounce it right, and all this music. So it's not like house music and dance music just started yesterday, you know. It's got a long, long history, and even much further back than that. So I was really isolated in Iceland and still, and to the scene there, and especially when we started this company I said about before, Bad Taste, we were really on a mission to change Iceland and sort of try to erase a narrow-mindedness of people and also pretentiousness in arts, because there's a lot of snobbery, sort of hierarchy when it comes to arts. Well, people think they're really doing something really good quality and good taste, and all they're doing is killing creativity. But that's another story. But anyway, I lost my plot now. Yeah, dance music. Yeah. Basically, when Sugar Cubes got attention abroad and we started to travel in '88, I was really excited to find out about life bands, because I never had opportunity to do that before in Iceland. So I went to try to find all those bands and ran to concerts, and every time there was a day off touring I would try to see all the bands, and I was so disappointed, because it's so stagnant and not taking any risks, just playing that good old rock and roll that, you know, anybody can do, you know. So I started going to clubs in '88, and I just became obsessed with clubs. And you have to look really hard. You have to go to 50 clubs, but the club number 51, miracles will happen there, because it was mind over matter. It definitely believed in atmosphere and miracles, you know, and I was very fascinated by that. We'll be right back.
Ce ne sera pas le seul sujet que je ferai subir, que j'essaierai pas, comme je l'avais fait un peu avec ma saga sur Will Smith, je la ferai en plusieurs parties, même comme ce que je l'ai fait avec aussi Tupac et plein d'artistes et tout que j'ai fait. La saga sur Björk sera divisée en plusieurs parties. Je pourrais pas faire un sujet de 1 heure, 2 heures, parce que c'était des trucs que je voulais faire déjà en 2 heures, 3 heures, mais je me suis dit non. J'aime pas que ma page soit inactive, donc moi, j'essaierai de le faire en plusieurs parties en parlant des moments clés un peu de sa carrière. Mais je ne sais pas si j'ai déjà parlé de mon amour de Björk. Mais si les gens ont vu ma review sur Kate Bush, vous pouvez vous soupçonner que la femme que vous voyez sur la photo, elle est aussi parmi les fortes influences musicales que j'ai eu à adorer. Je dois vous avouer que quand j'étais petit, j'ai découvert Björk quand j'étais petit, à l'âge de 9 ans, 10 ans, avec la chanson qui était la chanson qui passait tout le temps à MTV à l'époque, qui s'appelait It's So Quiet. J'aimais beaucoup ça et tout. Et à part ça, je connaissais pas grand-chose hein, sur Björk, mais je me rappelle que j'adorais tout le temps ce morceau et cette femme un peu étrange, un peu que je voyais quand j'étais jeune, quand j'étais vraiment, vraiment tout petit. Hein. Je parle des années là où j'avais 8 ans, 9 ans et tout. Même si tu voyais à cette époque, quand tu étais millennial, et surtout cette époque-là, pour des gars comme moi, c'était pas facile de dire que tu aimais ça. Toi, vous avouez que c'était pas facile de dire que ouais, j'aime bien la musique de Issoul Quiet parce que, comme je vous ai toujours dit, la génération des milléniaux, c'est une génération que j'ai pas aimée parce que elle empêchait toute fantaisie avec certaines personnes, surtout les milléniaux noirs de cette époque-là. Les milléniaux noirs, je ferai un sujet un peu pour ça. Pourquoi je déteste ma génération de négros à la base. Les milléniaux noirs, nous sommes les noirs les moins, je trouve les moins intéressants et qui avons adopté des attitudes bidons par rapport à des icônes un peu que sont ces deux gars que vous voyez apparaître là. On va dire encore que je fais une fixette, mais c'est pas pour rien que j'attaque ces gars-là parce que c'est ces gars-là qui ont formaté un peu, et ça je vois même encore avec la discussion que j'ai eu avec mon cousin quand j'ai fait encore mon sujet sur Forbes là, qui me disait pourquoi tu es en train d'attaquer le truc, et je lui ai dit mais tu sais les gars que tu vois là, je les ai jamais été fan d'eux, j'ai jamais été fan d'eux, c'est vrai qu'à l'époque je ne parlais pas de ça, mais j'ai jamais été fan d'eux, jamais, ils ne représentaient pas vraiment les gens de gars, j'écoutais mais j'étais pas fan d'eux, je les aimais pas vraiment. Il y avait quelque chose chez eux que j'aimais pas déjà à l'époque. C'est ça, l'est facile de dire ça maintenant, mais c'était pas vraiment parce que certains gens sont surpris que, mais non, je lui dis, mais ce que vous voyez là, c'est ce que j'ai toujours au fond de moi aimé. C'est toujours ce que j'ai au fond de moi aimé. Maintenant, ça surprend un peu les gens, mais voilà quoi. Donc, pour revenir à Björk, c'est après, je pense, dans les années 2010, je pense, vers les années 2011, 2012, que je me suis replongé, je me suis dit, mais ah, moi quand j'étais petit, j'aimais toujours un peu It's So Quiet de Björk. J'aimais trop ça et tout. Pourquoi ne pas un peu essayer de découvrir un peu la musique de Björk, découvrir un peu ce que c'est et tout. J'ai commencé par ce qui est techniquement son deuxième album, puisqu'elle avait déjà un album qu'elle avait sorti en 1977 quand elle était en Islande, un album qui était une comptine de chansons de Noël, si je me souviens bien. J'ai découvert après, mais j'ai commencé avec techniquement l'album le truc, l'album débute, et c'est le premier album de Björk que j'ai suivi. Après, oui, enfin, en passant dans sa discographie, d'ailleurs, j'ai fait un sujet même sur son groupe de Suga Cube, que je pense que je vais refaire. Je vais refaire encore un sujet sur de Suga Cube et des différents groupes qu'elle a eu avant d'avoir sa carrière solo, parce que Björk a eu énormément de groupes. Énormément de groupes avant de lancer sa carrière. Énormément de groupes. Elle a eu, je crois, trois ou quatre. Trois groupes, trois, quatre groupes. Ils sont tous aussi géniaux. Avant d'avoir, comment on appelle ça, son envol avec le groupe de Sugar Cube et tout. Et j'avais fait vraiment un sujet, c'est là, pas très long, hein, tout là, mais je vais essayer de le refaire. Je vais essayer de refaire un peu ça. Le sujet que j'avais fait sur de Sugar Cube, surtout, c'était l'album Life is Too Good. Je crois que c'était le sujet que j'avais fait sur eux. Et pour vous dire vrai,
Lorsque elle fait partie pour moi des plus grandes artistes de l'histoire de la musique. Elle fait complètement partie des plus grandes artistes de l'histoire de la musique. Elle a, je me rappelle, je sais plus c'est quel article que j'avais vu, et je pense que cet article a bien résumé un peu ça. Elle a amené dans la musique, je pourrais considérer, même si c'est très réducteur de la réduire à une musique seulement électronique, parce que ça mélange tellement de genres. Elle a su amener de la chaleur humaine dans la musique électronique. Qu'est-ce que je m'explique? C'est-à-dire un peu, elle a amené de l'émotion dans la musique électronique. La musique électronique, généralement, quand tu écoutes ça, la musique électronique, un peu, par exemple, quand tu écoutes par exemple des gars comme LSD Sound System, l'émotion est froide. Il y a quelque chose de froide, il y a quelque chose de froid, de glauque, truc. Mais quand tu écoutes Björk, sa façon d'amener la musique, c'est rythmique un peu, qui peut paraître froide, mais avec comme s'il y a un soleil qui arrive dans la musique là. Je sais pas comment expliquer ça. Quand tu écoutes Björk, c'est comme si tu écoutais quelqu'un qui amène du soleil dans la musique électronique, par sa voix angélique, par son énergie vocale qu'on peut avoir. C'est ça qui est génial, magnifique. Là, par exemple, même quand on écoute Big Time Sensuality, c'est une musique électronique joyeuse. C'est une musique électronique avec des comment on appelle ça, des trucs joyeux. C'est-à-dire que quand vous écoutez le morceau et tout, c'est joyeux. Et c'est très 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 particulier un peu chez le personnage, la musique de Björk. Et c'est ça qui m'a beaucoup plu avec un peu la musique de Björk et tout. Donc quand j'ai commencé avec le premier album Debut, ça a été vraiment un choc pour moi. Je m'attendais pas, et surtout quand je voyais la date à l'époque, quand ça arrivait, je voyais la date 93, et je voyais comment elle était déjà en avance sur la musique électronique, comment elle était déjà en avance sur le truc. Cet album-là, dont l'inspiration vient un peu de sa période où elle venait d'arriver à Londres avec son enfant, comme elle explique un peu très bien dans son fabuleux podcast là. Elle a une série de podcasts là qu'elle a sorti depuis 1 an et demi, 2 ans, qui s'appelle Sonic Symbolisme, où justement elle reprend elle explique chaque album, comment elle a construit chaque album, comment les conditions dans lesquelles elle a fait chaque album de sa carrière. Si vous êtes fan de Björk, alors là vous allez être gâté, hein. Vous allez comprendre exactement comment elle a fait les albums qui ont jaugé sa carrière, et c'est pour ça que j'ai adoré l'écouter. C'était passionnant, c'était le truc que ça m'a permis encore de m'aider encore pour le sujet que je vais faire là. À cette époque-là, comme elle venait à Londres avec son fils, elle était un peu une mère célibataire, et elle commençait à côtoyer un peu les scènes londoniennes, les scènes des nightclubs londoniens underground un peu. Et là-bas, il y avait cette prédominance un peu dans la musique house et la musique jungle un peu qu'elle aimait et tout. Et c'est un peu dans cet effet-là qu'elle avait un problème, un clash avec un peu son groupe de Sugar Cube. Parce que de Sugar Cube, bien qu'elle aimait un peu ce qu'il faisait, elle trouvait que c'était un peu redondant la musique avec les groupes de rock un peu. Que les groupes de rock essayaient toujours de faire le même style de musique, il n'y avait pas assez d'innovation. C'est pour ça que dans son intuition et dans sa capacité intuitive qu'elle avait, elle résonnait beaucoup plus avec la musique des clubs et tout. D'où cette influence énorme qu'il y a de la house music londonienne de l'époque, qui commençait à vraiment exploser à donf, à donf, à donf à Londres à cette époque-là. Et tu peux la ressentir un peu sur l'album Debut. Debut, les personnes qui ont participé vraiment à la production de ça, essentiellement, c'est Nelly Hopper. Je vous ai déjà parlé de Nelly Hopper dans Massive Attack. Nelly Hopper est un des personnages les plus importants aussi de la musique londonienne des années 90, surtout dans les musiques un peu comme trip-hop et tout. Et j'essaierai de faire un court sujet un peu aussi sur lui, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup apporté un peu dans la musique hip-hop. Quelqu'un qui était un DJ dans la White Bunch, quelqu'un qui a été aussi, quelqu'un important aussi dans les débuts de Massive Attack. Je vous ai déjà fait un sujet sur Massive Attack il y a une semaine, il y a quelques semaines là, quelques mois, je sais plus. Et là-bas, Nelly Hopper, c'est lui qui a
qui avait Björk aussi qui a participé à la production, qui ont réussi vraiment à chaperonner un peu la vision de Björk qu'elle avait dans cette capacité de vouloir mêler musique électronique, opéra, et tellement électropop et alternative dance. Donc il y a tellement ces musiques là, et même surtout aussi le jazz. Il y a beaucoup 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 de jazz dans l'album de Debut. Elle qui aime beaucoup la musique brésilienne, les orchestrations de musique brésilienne, par exemple, elle racontait comment elle suivait énormément les albums d'Antonio Carlos Robin. Je sais pas si Dieu me donne vie, j'essaierai de vous parler de la musique de ce mec-là. Antonio Carlos Robin, si vous commencez à écouter la musique brésilienne et tout, il fait partie des gens aussi intéressants de la musique brésilienne. Et Björk écoutait énormément la musique aussi de ce monsieur-là. Et elle essayait de s'inspirer beaucoup un peu dans les orchestrations un peu musicales, un peu de ce genre de personnes. C'est pour ça qu'il y a cet éclectisme à Debut. Debut est vraiment un album coup de poing quand vous découvrez Björk. Moi, ça a été un choc. À l'époque, quand je vois, c'est en 2011-2012, hein, j'ai pas découvert ça. Le truc que j'ai découvert, moi, j'ai intéressé à Björk vraiment vers le tard. Mais quand j'ai découvert ça, ça a été un choc. J'ai dit, mais attends, ça, on parle d'un album de 93. Ça sonne comme si c'était sorti en 2013, 2014 et tout. Même quand tu les suis, même maintenant, tu dis, merde, tu ne peux pas comprendre que ça sonne aussi actuel, aussi fort, aussi dense, aussi éclectique. Björk est une artiste incroyable, et puis la voix, accompagnée avec la voix magnifique qu'elle a, il y a de cela, il y a quelque chose d'absolument génial un peu chez cette femme-là. Et comme elle a parlé un peu dans son podcast, la Sonic Symbolisme, elle résumait souvent que ses albums retournent autour du thème un peu de la timidité, des débuts, de l'humilité, de la virginité et parfois du message. Je crois que c'est le thème qu'elle a revenu là, parce qu'elle parlait de shy, beginner, humility, virgin, belge, silver et mohair. Je ne sais pas trop ce que veut dire mohair, mais plus ou moins c'est les thèmes qui reviennent un peu là-dedans, le thème vraiment de quelqu'un qui débute un peu quelque chose dont le titre débute. Et Björk, vraiment, c'est ce premier album de Björk est la meilleure entrée pour vous pour connaître un peu cet artiste là. Je serais de faire pas seulement un sujet sur Björk, parce que c'est réduire cet artiste là juste un album, juste un truc. J'essaierai de faire beaucoup plus de sujets sur elle, parce que son impact, elle est là. Quand je regarde même encore même la petite Willow, quand elle avait fait son album, si là, que vous voyez apparaître là, quand je regarde Robin, quand je regarde beaucoup de gens, même Solange aussi, je vois que Björk, la musique va rester pendant longtemps. C'est même pour moi paradoxal qu'elle n'a jamais eu de Grammy. C'est moi, je trouve même que c'est un scandale. Qu'une femme comme ça qui a révolutionné la musique comme jamais, et n'a même pas eu un Grammy dans sa carrière. Donc moi, je lève un peu les yeux comme ça. C'est un génie musical à part. C'est quelqu'un que, à sa mort, on va célébrer vraiment l'une des plus belles discographies de l'histoire de la musique. Parce qu'il n'y a pas un mauvais album qu'elle a fait. Je suis désolé, Björk n'a pas de mauvais album. Il n'y en a pas de mauvais. Il n'y a pas de mauvais. Elle a su se réinventer chacun. Parce qu'elle a su toujours travailler avec des producteurs différents, des artistes différents. Elle a toujours su se réinventer musicalement. Elle a toujours trouvé des thèmes différents. En termes de créatif, hein, c'est littéralement une master. Et même dans son visuel, même dans sa, comment on appelle ça, dans son imagerie, même l'esthétique fashion qu'elle a, il y a tellement à dire. Elle a été la meilleure étudiante de Kate Bush. Et elle a poussé même le délire de Kate Bush encore plus loin, je trouve. Et aussi, c'est quelqu'un qui a su, pour moi, vraiment intégrer aussi la musique urbaine dans sa musique. Même dans le début, tu peux sentir l'influence du hip-hop. Elle qui a un goût, des goûts musicaux vraiment très éclectiques, qui n'essaye pas de se... comment on appelle ça, qui n'est pas élitiste dans sa manière de voir la musique. Elle écoute vraiment tout, hein. Elle écoute vraiment tout dans
son truc, tu vois, les influences qu'elle a, elle écoute vraiment tout. Elle n'a pas peur de prendre vraiment. Par exemple, une fois, je me rappelle, je ne sais plus c'était quand, il y avait un truc, elle faisait un truc en DJ, elle passait Clips Grinding. J'ai dit, mais connais ce truc, même le fait que elle vient au concert de Travis Scott, là. Il y a un an et demi, deux ans, d'ailleurs, Travis Scott est très influencé par Björk. One of my favorite artists in the whole world is here tonight. Bjork is here tonight. And she's one of my biggest inspirations for why I do what I do. So I'm so glad to be able to perform in front of her today. So Bjork, I fucking love you so much. Aussi ça, c'est les gens ne le savent pas. Ils pensent que Travis Scott, c'est Travis Scott, la musique de Travis Scott est très influencée par Björk. Ça, les wesh, mes amis wesh wesh line ne le savent même pas. Il y a même un son où il a samplé Björk. Je pense que c'est No Bystander. Il a samplé Björk là-dedans. Les violons qu'on entend dans No Bystander là. Et au tuto, il avait samplé deux gars. Il a samplé Björk et il a samplé Trixie Mafia. La chanson Ted dans le club de Trixie Mafia, il a samplé les deux. Il a très l'influence de Björk, il le disait même là. Donc, on a affaire à une artiste incroyable. Et Debut est le premier album que je vous conseille si vous voulez découvrir Björk et tout. Ce ne sera pas le seul sujet. Ce ne sera pas le seul sujet que je ferai sur elle. Je ferai énormément de sujets sur elle. Ça reviendra beaucoup, beaucoup, beaucoup à force d'inspiration et tout. On va explorer. Pour ceux qui ne connaissent pas, même si je pense que la grande majorité des gens connaissent un peu la musique de Björk, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous ferai découvrir vraiment la musique incroyable de cette femme-là, parce que pour moi, c'est une de mes gouttes dans ma liste. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, et à plus pour d'autres aventures.